Bonjour. Alors que je m'apprêtais à aller visiter l'un des plus beaux villages de France, voilà que je tombe sur une petite belette. C'est rare de voir des belettes sauvages comme ça. De plus, elle m'a l'air assez téméraire. Alors du coup, je décide d'oublier un instant le beau village de France que je dois visiter pour me consacrer uniquement à elle, à cette belette. Mais il me faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Mais vous allez voir, j'aurai réussi à la voir en gros plan. La voilà, là, cachée dans un mur. En fait, j'apprendrai un peu plus tard que c'est son habitat. Il m'aura fallu attendre plus d'une demi-heure avant de la retrouver. Mais ça valait la peine. Elle a l'air d'être aussi curieuse que moi. Mais quel est donc cet individu qui me filme là ? Oui, car c'est vrai, je suis seulement à 4 mètres d'elle, assis là, sur l'herbe, à l'observer, sans bouger. Mais elle va disparaître. Je remettrai un temps fou à la retrouver, un peu plus loin, à une quarantaine de mètres de là, sur le même mur. C'est que finalement, elle ne se laisse pas s'y faire facilement. Mais j'ai une patience énorme, surtout quand ça concerne des animaux. Et les belettes, comme celle-ci, sont assez rares à observer. Elle ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Partir. Revenir, partir, revenir. Et puis d'abord, qui c'est cet homme-là, qui me filme là depuis tout à l'heure ? Il m'ennuie à la fin. Je la trouve trop adorable, trop charmante. Mais c'est vrai que je dois l'ennuyer un petit peu. Mais c'est tellement rare que quand même, je veux la voir un peu plus. Et puis je finis par la reperdre. Il me faudra encore un temps fou avant de la retrouver. Ici, là. Dans ce feuillage. Attention parce que c'est assez éphémère. Voilà. Vous l'avez vu ? Elle est là. Et puis de nouveau, je vais la reperdre. Et encore une fois, il va me falloir un temps fou pour la retrouver. Alors je décide de revenir au premier trou. Là où je l'avais vu la première fois, et d'attendre, encore et encore. Mais je m'étais trompé de quelques centimètres. Elle était juste en bas, là, à m'observer. C'est qu'elle n'arrête pas de bouger. Et puis il commence à m'embêter cet homme-là, avec sa caméra. Et puis elle finira par disparaître définitivement. Quand deux promeneurs passaient par là.
En tout cas, je la remercie grandement, cette petite belette. C'est vrai que j'ai dû l'ennuyer un petit peu, mais à moi, elle m'a donné tellement de plaisir. Merci à toi, belette. Merci d'être si belle, et merci de me donner tellement de bonheur. C'est pas le cas de tous les êtres humains.